danser. Nous sommes les Chasers, on est très content d'être là ce soir parmi vous, avec le beau temps. Crashing down. Bon, alors voilà le groupe The Chaser. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre groupe? Alors, avec le nom de tout le monde, votre fonction. Ok, alors bah, on est The Chasers, on vient de Longjumeau. Ouais. On a un groupe de rock post-hardcore et donc on a... Marc. Au chant. Steven, guitare. Arthur, basse. Rémi, batterie. Et moi, c'est Wan et je suis à la guitare. Vous êtes connus comment? Ça fait longtemps que vous existez? Ouais, on s'est connus avec Rémi, on faisait de la musique. Et ensuite on a connu Wan qui est rentré dans le groupe. On a eu plusieurs formations différentes, un line-up complètement différent avec un style différent. Et tous ces line-up en fait ont mené à The Chasers, pour nous le produit final je pense de... En 2011. En 2011, voilà. Ah, pour, sur la diversité, c'est vrai que c'est différent de tout ce qui est passé avant. Bon, j'avoue que moi ça m'a pas déplu du tout, c'était plutôt même très bien comme presta. Et juste savoir un truc, parce que vu comment vous déchaînez, vous ressentez quoi sur scène quand vous jouez? Vous êtes dans votre monde là, c'est... Complètement, complètement à fond quoi, complètement le son hyper fort, on suit le son et on essaie de le vivre un maximum et d'exprimer ce qu'on veut avec ce qu'on entend quoi. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez, donc vous faites des compos. Oui, c'est vous que... Vous essayez de faire passer quoi comme, comme message, ou c'est quoi un peu le thème de ces compos? Alors on parle de plein de choses différentes, c'est, ça part de choses assez personnelles et on aborde notamment le thème de, du conflit qui peut être étendu au conflit en général, conflit interne aussi. On parle un peu d'écologie,
Ouais. Bon, ça c'est mon truc. Ouais. Et puis le rapport humain quoi, en général. Tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on ressent, c'est ouais voilà, c'est assez personnel et on essaie de toucher un maximum de gens mine de rien en racontant une chose assez personnelle quoi. Bah si tu veux toucher un maximum de gens, c'est le temps, là c'est le moment, tu vois, tu peux faire la pub de ton groupe, vous avez peut-être un compte Facebook ou un MySpace. Ouais. Alors on a un site internet, c'est thechasers.com. D'accord. Et dessus on a tous les liens vers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on a quoi encore? On a ils vendent des t-shirts Tumblr, aussi hein. On a des t-shirts. On a des t-shirts, on a ouais, et aussi on a le site de notre label de production parce qu'on est signé chez Next Dimension Gears qui est un label indépendant et basé à Longjumeau. Ok, et eh ben en tout cas je vous remercie d'être passé nous voir. Ah, merci à vous. Merci d'avoir déchaîné la foule. Parce que ils ont regardé, c'était vraiment là c'est envoyé hein. Merci pour tout. C'est un plaisir. Et merci. Puis j'espère une prochaine fois. Ouais, salut les gars. Merci. Ciao. Cette émission est diffusée sur internet grâce à Studio Sud, studio d'enregistrement et de répétition basé à Villebon-sur-Yvette. Pour plus de renseignements, le 01 60 14 40.